Les vagues provoquées par les révélations des Panama Papers avec les gouvernements à travers le monde qui ont commencé à mener leurs propres enquêtes. Ainsi, au Salvador, la police a effectué ce vendredi une perquisition dans les bureaux du cabinet d'avocat Mossad Fonseca à San Salvador, la capitale. Les autorités ont saisi des ordinateurs et des documents sur lesquels vont se pencher les enquêteurs. Je veux demander aux avocats et aux cabinets juridiques qui ont pu fournir des conseils aux sociétés de ne pas faire d'erreur. On va les convoquer. J'espère qu'ils ne vont pas faire l'erreur de cacher des informations. L'opération Panama Papers a permis de mettre au jour des pratiques financières et fiscales opaques de personnalités. Le Premier ministre britannique a avoué avoir possédé des actions d'un fonds offshore appartenant à son père. Dirigeants politiques, entrepreneurs, sportifs, des centaines de noms sont cités dans ces documents. Plusieurs banques mondiales sont également pointées du doigt pour avoir aidé leurs clients à créer des sociétés offshore via le cabinet d'avocats Mossad Fonseca.